Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ah, dis donc, ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas retrouvés. Je vous fais une petite vidéo, c'est un haul. J'ai pas pu y résister, j'avais trop envie de pouvoir vous avoir un peu voilà, avec moi. J'ai fait des trouvailles aujourd'hui, donc je suis toujours avec ma fille à Sérigny-en-Plage. Et on a été faire un petit tour ce matin chez Action et chez Nose. Et je voulais partager mes trouvailles avec vous pour que vous puissiez, si cela vous intéresse, pouvoir aller faire un petit tour dans vos magasins. Et ben, on va commencer tout de suite. J'ai retrouvé donc de la marque MP chez Nose ces décorations-là qui sont montées sur pince à linge, donc à 39 centimes. J'en ai repris un lot. J'ai réussi à retrouver des sequins de couleurs différentes, toujours dans la marque MP. Donc des couleurs or, des couleurs bleu métallique, du rouge, du rose fuchsia et du rose plus clair. Je les ai trouvés super beaux. Donc pareil, 39 centimes. Donc voilà. Après, j'ai trouvé des petites roses comme ceci. Dans les teintes vieux rose, je les ai trouvées trop belles. Donc vous voyez, elles sont à 50 centimes. Elles ont la même fixation que celle de chez Action. Donc bon, soit on garde les tiges, soit on les coupe, hein. C'est la marque MP. J'ai les doigts dessus. Donc j'ai pris en vieux rose et en rose comme ceci. Après, qu'est-ce que j'ai trouvé? Parce que j'ai trouvé plein de choses. J'ai réussi à retrouver chez MP. Moi j'en ai pris deux, mais c'est les deux mêmes. J'en enlève un du coup. 50 centimes. Vous voyez, c'est là où il y a la cage à oiseaux. Enfin, tous les. Ils sont superbes. Des die-cut stickers 3D en fait. Donc voilà. J'ai trouvé ces deux modèles. Donc le premier, très fleuri. Et le deuxième, qui est sur le même style. C'est toujours la marque MP. Donc eux, ils étaient à 50 centimes pièce. Ah si, les petites fleurs, j'ai pris en orange aussi. J'en ai pris trois. Après, j'ai trouvé, toujours dans la marque MP, je n'en avais pas trouvé, les attaches parisiennes. Je les ai trouvées super jolies. Les petits cœurs, les petites fleurs dedans, tout, ils sont superbes. Donc, des petites fleurs aussi, comme ceci. Donc, j'ai dit, bah, pourquoi pas, ça peut être super joli. Après, j'ai trouvé, donc, les demi-perles adhésives dans les teintes marronnées à 39 centimes. Vous voyez, c'est des petites. Bon, là, elles ont été déplacées, mais c'est pas un souci, hein. Et en celle-là, on les verra après. Je vais faire à peu près dans le système des marques. Là, j'ai trouvé cet article en MP. Il y a deux couleurs dessus. Et au dos, j'avais réussi à lire. C'est un stylo, en fait, double pointe d'encre, de pâte d'encre. Donc, par curiosité, bah, j'ai dit, je vais prendre, je vais essayer, je verrai bien. Donc là, je ne vais pas faire le test ici, hein, je ne vais pas prendre le temps, ni réellement, hein, mais je ferai l'essai avec vous. 50 centimes. Je ferai l'essai dès que je rentrerai, je ferai l'essai avec vous. Après, dans la marque LF, j'ai retrouvé avec le stylo et l'enveloppe les trombones, enfin voilà, je vous l'avais déjà présenté, celui-ci. J'ai trouvé celui-ci qui est super joli aussi. Avec les cadres photos, le Hello, tout. Donc 50 centimes toujours. J'ai trouvé cette petite pochette à rabat. Vous voyez, c'est une petite chemise à rabat en fait. 79 centimes. Avec couleur parme. Là, il n'y avait que deux couleurs, parme et blanc. Donc dans les vôtres, je ne sais pas. J'aurais aimé avoir d'autres couleurs. Bon, j'ai pas trouvé, donc du coup j'ai pris une parme. Il y aurait eu du rose, j'aurais été trop heureuse. Donc voilà, j'ai réussi à trouver, vous savez que je les avais trouvés, mais pas tous. Et donc là, j'ai réussi à trouver les autres de cette série. Donc tous les petits dies. Enfin, il y a des tags, il y a des cœurs, il y a. Donc c'est vraiment toutes les couleurs. Donc voilà. Là, c'était 50 centimes. Après, on a trouvé
du papier. Donc, voilà. Le motif, 1,99€. Il me semble que c'est du papier Artemio, celui-là. Oui, c'est ça. Regardez. Parce que oui, Nose a reçu un arrivage Artemio. Donc, j'ai trouvé des demi-perles Artemio. Elles sont sublimes, les couleurs. Pastel et métallisé en même temps. On a créé, c'est... Waouh. J'ai pris... Donc là, elles étaient à, pardon, 99 centimes, les demi-perles. Le papier, 1,99€. Je ne sais plus si je vous l'ai dit. Là, j'ai trouvé cette perforatrice en forme de nounours. Donc, toujours la marque Artemio. 1,50€. Chez Artemio, j'ai également trouvé des pompons. Donc, il y avait blanc et beige et multicolore. Donc, il y a du rose, du bleu et du vert. 79 centimes la pochette. Il y a également des washi Artemio. Donc, j'ai pris celui-ci. Vous voyez les flèches avec les petits cœurs. J'ai pris les petites fleurs roses. Les petites chouettes. Attendez, il me zoome pas. Oh, ça doit aller. Et j'ai pris les petites tulipes. Donc, le rouleau de washi Artemio, 79 centimes. On a... Ah, si, il y a encore ça en Artemio. J'ai trouvé les petites attaches parisiennes, donc 1,20€. Vous voyez, c'est les petites fleurs. Donc, elles sont toutes mini, toutes mimi. Il y en a 100 dedans et elles font 7 mm. Chez Artemio, on doit être bien là. Hein, théoriquement, c'est bon. Il y a celui-ci que j'ai oublié de vous présenter de chez MP. C'est l'encreur. Donc, il y a 4 couleurs. Ça part du jaune pour aller jusqu'au orangé plus foncé. Il est à 99 centimes. Après, j'ai trouvé des rubans. Alors là, je ne vais pas le défaire. Pareil, je vais vous le montrer comme ça. Je le défrais à la maison, pardon. Parce que le problème, c'est que dans la valise, ça va tout se dérouler après. Donc là, 60 centimes le rouleau. Il y a 3 mètres. J'ai pris le même, mais en rose, poudré. Toujours au même prix. Et j'ai trouvé un rouleau sur le thème... Paris. Lui, il est un petit peu plus cher. Il est à 99 centimes. Il y a 10 mètres. Donc, voilà. Et ce n'est pas tout pour chez Nose. On a trouvé des tampons. Donc, de la marque MP, j'ai trouvé celui-ci. Je vous le mets dans ce sens-là. Vous le verrez peut-être mieux. Donc, à 99 centimes. On a trouvé celui-ci. La cage, elle est trop belle. La clé, le canard, enfin, tous, ils sont trop, trop beaux. Donc, toujours 99 centimes. Là, j'ai pris également celui-ci. C'est toujours la marque MP. Hein. Toujours le même prix. Je suis trop contente, j'ai trouvé les papillons. Avec l'espèce de bourdon, là. La coccinelle. Bourdon ou abeille, je sais pas. Mais je les ai trouvés trop, trop beaux. Pareil pour celui-ci. Donc sur le thème couture. Ouais. Je vais les mettre plus près, que vous puissiez les voir. Je les ai trouvés sublimes. J'ai craqué. Et après, dans la marque, donc, Starplast. Oui, oui, tu peux. À 79 centimes, j'ai pris ces fleurs. Je les ai trouvées sympas. Soit juste à tamponner comme ça, soit pour les coloriser. Je sais pas, je verrai. Suivant l'humeur. À 1,50€, j'ai trouvé la planche pour les anniversaires. Toujours dans la marque Starplast, hein. Je la mets dans ce sens-là, vous verrez sûrement mieux. Et toujours à 1,50€, j'ai trouvé celle-ci. Donc moi qui adore les fées, pour faire en fond, ça va être
juste top. Voyez. Donc voilà pour... Ah non, j'ai oublié un article de chez Nose. Mais ça, vous les avez déjà vus. C'est les lots de rubans. Il y a tout un tas de rubans. Je sais pas combien il y en a dedans. 10 pièces. Donc là, c'est pastel. Voyez. Voilà. Mais le système de nattes violettes, là, j'ai trouvé super beau. Il y en a plusieurs, les petits points. Les... Ouais, j'ai craqué sur celui-là. Donc, j'ai dit, bon, bah pour faire mes... Il n'y a que celui-là qui me plaît pas trop, mais bon. Il sera bien utilisé dans quelque chose. Mais pour faire mes bijoux d'album, j'ai dit, eh, nickel. Bah écoutez, je mets en pause le temps de ranger tout ça et de passer à action. Je vous retrouve tout de suite. Eh ben, on voit déjà mieux ce qu'on dit. Hein. Alors... On va passer à action. Je suis désolée, on est au camping et forcément, j'ai beau avoir fermé la porte et les fenêtres, on entend les enfants jouer dehors. Mais bon, c'est ça. Hein. J'ai trouvé chez Action les nouveaux lots de foils. Donc, j'ai pris ce lot-là. Ok, on les reconnaît par leur couleur. Là, c'est argenté. Le deuxième, il est rose. Vous voyez, il y a beaucoup de rose dedans. Troisième, il est bleu. Donc, ça va être du bleu et du rose dans celui-là. Il y en avait un autre, mais je ne l'ai pas pris. Les teintes, ça ressemblait beaucoup aux anciens qu'on a déjà eu. Donc, je ne voyais pas l'intérêt de le prendre. Donc, du coup, bah voilà, je me suis arrêtée là. Faut savoir être raisonnable. Et puis, si c'est prendre quelque chose pour ne pas m'en servir, ce n'est pas la peine. Ma fille a craqué sur ses embellissements. Donc, pas forcément. Hein. Je lui ai pris. J'ai trouvé des dossiers d'embossage. Donc, il y a celui-ci. Je pense pas que ce soit des nouveautés, ça. Celui avec les étoiles. Et celui-là qui fait comme des fleurs. C'est pas évident à montrer. J'ai un ballon qui résonne derrière. J'espère que vous ne l'entendez pas trop. Sinon, je m'en excuse. Et comme je vous dis, avec les enfants, c'est pas toujours évident. Alors là, oui, je l'ai pris en double. Si voulu, je le range tout de suite. Dans cette série, celui-ci. Ça, on le verra après. Et j'ai trouvé celui-ci. Donc, je vais vous le mettre dans ce sens-là. Vous le verrez peut-être mieux. Avec la petite abeille, l'arrosoir, les fleurs. Donc, c'est le numéro 6. Là, c'est le numéro 1. Donc, avec l'appareil photo. Ça fait comme des petites gouttes d'eau sur le dossier. Là, c'est fleurs, encadrement. Et c'est le numéro 2, celui-là, je crois, oui. Et là, ça fait des losanges comme ceci. Et le numéro 3, où il y a le... Love, mais ça, je sais que c'est pas des nouveautés, hein, mais moi je les avais pas trouvées par chez moi. Et le dossier d'embossage. Par contre, j'ai eu du mal à les trouver. Il y en avait plein de rayons, hein, sans les tampons. C'est-à-dire que les gens avaient arraché le côté et récupéré les séries de tampons. Donc ils en ont une multitude dans le rayon, mais il faut aller au fin fond pour trouver le lot complet. Alors j'ai quand même été assez déçue. J'ai même pas pu tous les trouver du coup, mais bon, c'est mieux que rien, hein. Mais quand même un peu déçu. Après, on a pris un lot de lettres en bois. Je sais, c'est pas nouveau. On ne les avait pas encore pris. J'ai plusieurs idées de projets avec. Donc, on a dit c'est l'occasion. On le prend. Chez nous, ils ne sont pas souvent en stock. Donc, quand c'est comme ça, et ben, on saute dessus. Hein. Je pense qu'on est tout un peu pareil. J'ai enfin trouvé ces pinceaux-là. Youpi! Par contre, là, je suis désolée, je ne vous donne pas les prix. J'ai pas eu le ticket. La caissière avait un problème de rouleau. Donc, j'ai pas pu avoir le ticket. J'ai pris également des perles. J'ai trouvé les couleurs trop belles. Vous connaissez ma passion pour le rose, hein, de toute façon. Vous n'êtes pas surprise. Et là, un blanc nacré un peu doré. Donc, voilà. On a retrouvé deux rouleaux de feuilles. Deux. Donc, j'ai
j'ai pris le rose et puis celui qui est argenté mais qui fait irisé en même temps. Il fait un peu multicolore. Je sais pas comment dire. Après. Je les ai enfin trouvés. Je suis trop contente. Donc, les Mix Colors, pardon, Makers, Markers. Oh, le soleil me va pas bien, je crois. Ça me fatigue. Donc, j'ai pris un lot de chaque. Je pense pas en avoir oublié. J'ai un lot de pastel, un lot dans les teintes marron, un lot dans les teintes rose rouge, bleu-violet, les couleurs flashy et les couleurs vert-bleu. J'espère ne pas en avoir oublié. J'en ai pas vu d'autres. Si vous savez, si vous en connaissez d'autres de l'eau, mettez-le moi en commentaire s'il vous plaît les filles. Ça sera adorable de votre part. Après. Ça c'est pareil, c'est pas une nouveauté. Mais j'ai enfin réussi à remettre la main dessus. Et j'ai ma Jamie qui les cherchait désespérément. Donc du coup, je lui ai annoncé que je l'avais trouvé. Donc il va falloir que en rentrant je lui fasse l'envoi. Mais il m'en manquait un mois. Et elle, bah, toute la série. Donc du coup, bah, je les ai tous pris. Tu vois ma James, je t'avais dit que je te les trouverais. Donc, voilà. Et moi, c'est celui-là qui me manquait. Donc, qui est là. Et voilà. La série au complet, plus un du coup. Enfin. Il aura fallu faire des kilomètres pour les trouver, ceux-là. Et pour finir, j'ai réussi à trouver mon deuxième comme ça. Donc avec les petites poupettes, vous savez, le noir et blanc. Attendez, j'attrape dans le sac, hein, je suis désolée, mais du coup, on vit beaucoup en sac en ce moment. Voilà. On a trouvé des blocs des nouvelles séries. Donc là, il l'appelle Marble. Donc je vais vous le montrer au mieux. Il y en a un sans foil, un avec foil, apparemment. Un avec foil, un sans foil. Sans foil, sans foil. Un petit peu de foil sur le haut. Ouais, c'est ça. Il y en a un qui a un peu de foil et l'autre pas du tout. Oh, il est très joli celui-là. Il rend mieux, je trouve, en vrai qu'à la caméra. Et c'est souvent le cas. Voilà. Et ça vous donne au moins déjà un aperçu des papiers. Oh, il est sublime. Ils sont tous fantastiques, en fait. Je vous les passe assez vite. Hein. Le basique. Désolée, j'ai pas de grosse place. Hein. Je fais au mieux, les filles. Et je me suis dit que voilà. Une petite vidéo comme ça pendant les vacances, ça pourrait vous plaire. Je sais pas ce que c'est censé représenter, mais bon, c'est pas vilain. Pour une carte d'anniversaire, ça peut être sympa. Il y en a vraiment des très, très, très jolis de papier. J'adore, j'adore, j'adore. Je vous les passe vite. Je vous les représenterai en vidéo si vous voulez, tranquillement, quand je serai rentrée. Dites-le moi en commentaire si vous voulez les revoir de plus près. Ça sera avec un très très grand plaisir. Comme toujours. Et le black and white. Donc voilà. Alors, si je l'attrapais au départ, ça serait pas mal. Des petits pois. Des rayures. Oh, c'est joli. Avec le foil, là, il est magnifique. Là, forcément, sans feuille. Il est joli aussi. Là, des petites cartes. Encore des espèces de petites bulles. Des petits traits. Ouais, du... Oh là là, qu'est-ce qu'ils sont beaux. C'est sublime. Des vagues. Oh là là, il y en a vraiment des jolis. Ouais, il est pas...
Il n'y a pas de feuilles. Oh, il est original celui-là, il est trop trop beau. Celui-là, je vous le rapproche quand même parce que là, j'ai un coup de cœur. Voilà, je pense que vous voyez. Je vais cacher le bras en l'air derrière l'album. Je suis désolée. J'espère que j'ai réussi à centrer comme il fallait. En plus, c'est pas mon pied habituel. Enfin, là, j'ai rien d'habituel pour filmer. Donc, ça change la donne. Et, dernier article, j'ai pris cette matrice de découpe. Donc, c'est Dyes. Je les avais pas pris quand c'est sorti. Puis, en final, je me suis dit, Flo, t'es complètement con parce que pour des petits sentiments, ils peuvent super servir. Donc, eh ben, je les ai pris. Tout simplement. Et ben voilà, j'espère que ce haul vous aura fait plaisir. Nous, on a super beau temps, on a très chaud. Seul défaut, c'est que l'eau de la piscine, elle n'est pas chauffée. Donc, bah forcément, moi, j'arrive pas à y rentrer. Ma fille se baigne, donc c'est le principal. Et bah, on n'a pas le temps de s'ennuyer. On voit le temps passer, même pas. On voit les jours qui défilent, mais on ne se rend pas compte que ça passe si vite. Donc, on essaye d'en profiter encore au maximum. Ce soir, on va sûrement aller voir le feu d'artifice à Valras-Plage. Et puis, voilà. J'espère que pour vous, tout va bien, qu'il fait très beau. Ou du moins, qu'il ne pleut pas. C'est quand même mieux. Vous me manquez vraiment beaucoup. Je suis impatiente de vous retrouver dès la semaine prochaine. Et en attendant, prenez bien soin de vous. Je vous fais plein de gros bisous. À bientôt. Ciao, ciao!